Au programme d'ONU Hebdo cette semaine, deux volets dans la rubrique ONU et nous. D'une part, la visite d'une délégation mixte gouvernement provincial MONUSCO à Luanda suite à l'attaque du 27 novembre dernier. Et d'autre part, la journée mondiale du sida célébrée en RDC. Des échos de cette journée à Kinshasa et dans la province du Nord Kivu. Et enfin, dans nos commentaires, des membres du contingent ghanéen, à la veille de leur départ, partagent un moment de convivialité avec les orphelins de Kinshasa. Neuf morts, 15 blessés, c'est le lourd bilan d'une attaque menée par un groupe de Maïmaï Mazembe contre un camp de déplacés Hutu. C'était à Luanda le 27 novembre 2016. Luanda, située à quelques 200 km au nord de Goma, est une localité du territoire de Lubero. Les victimes ont été inhumées le 28 novembre dernier en présence d'une délégation mixte gouvernement provincial MONUSCO. Banatua, serikali inakuwa kusema pole pole, lakini pole haitikaki. Sasa ombi letu kwa serikali, tunaomba batutoshe hapa. Tupe njia, kama hatuko bakongomani, batupeleke kwenye kwa sababu banatuyaka bakisema, nyinyi ni Banyarwanda, ni Banyarwanda. Tunaomba salama, mara moja, hii salama yenye tunaomba, ni kusema mara moja, juu wenye, banatuchimbia kuna wenye banatuhu, ni wenye tunaikara naye. Haiko mbali. Za hivi mnataka ngakwenda, hivi pataongeza wanarudi. Sitôt alerté par le coup de feu, un détachement de la force de la MONUSCO qui se trouvait dans les environs de la localité de Luanda s'est rapidement déployé sur les lieux. Il y affronta les assaillants, repoussa ainsi leur attaque et tua l'un des leurs. Les casquets blés ont porté assistance aux blessés et procédé à leur évacuation médicale vers des structures sanitaires à Goma. La MONUSCO a déployé une mission d'enquête en étroite collaboration avec les détachements des FRDC stationnés à Luanda. Depuis cette attaque, le village de Luanda s'est vidé de ses habitants. Les populations sont allées chercher des endroits plus sûrs pour se mettre à l'abri d'autres attaques. La solution est tout d'abord, il faut tout d'abord sensibiliser toutes les couches, qu'elles soient eux-mêmes parce qu'ils ont peur d'être tués, qu'elles soient leurs tueurs, qui sont des groupes armés, mais qu'on sensibilise toutes les communautés pour une cohabitation pacifique. Parce que vous constaterez avec moi si on acceptait que cette population quitte ici pour Rutshuru, la population de Rutshuru aussi va se venger, ça ne sera pas une bonne chose. Donc nous devons prévenir en tant qu'autorité et sécuriser toutes les personnes là où ils sont. Donc c'est ça ce que nous pouvons dire à la population et ce que nous pouvons demander au gouvernement. A noter que la MONUSCO, qui a fermement condamné cette attaque contre les civils, a renforcé sa présence dans la zone. Au nom du président de la République, chef de l'État et président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, je déclare lancer les activités commémoratives de la Journée mondiale sida en République démocratique du Congo, édition 2016. Je vous remercie. Kinshasa, jeudi 1er décembre, lancement de la campagne 2016 de la lutte contre le VIH-Sida. Le thème de cette année, levons la main pour la prévention au VIH-Sida. Pour contrer cette pandémie en République démocratique du Congo, le Programme national multisectoriel de lutte contre le Sida PNMLS mise sur la prévention. Et si ce domaine a connu de nombreuses avancées, beaucoup reste encore à faire. Pour notre pays,
pour les adolescents et les jeunes, les personnes vulnérables et les populations clés sont touchées de façon disproportionnée par le VIH, il nous faut un élan nouveau. Il nous faut redynamiser la prévention dans une approche complète, multisectorielle et multidisciplinaire qui tient compte des facteurs culturels et structurels en mobilisant nos ressources et nos capacités qui ont été à l'origine du renom de la RDC au début de l'épidémie du sida. Dans la lutte contre le VIH-Sida, la République démocratique du Congo peut compter sur ses partenaires, parmi lesquels l'Agence des Nations Unies pour la lutte contre le VIH-Sida, ONU-Sida. L'ONU-Sida qui estime qu'il est urgent de sortir le Sida de l'isolement afin de mieux le combattre. Nous enregistrons des avancées notables dans la réponse au Sida, mais nous ne constatons pas de progrès partout. Le nombre de nouvelles infections ne diminue pas chez les adultes et le risque d'infection par le VIH reste particulièrement élevé pour les jeunes femmes. Nous savons que pour les filles en Afrique subsaharienne, le passage à l'âge adulte est une période particulièrement dangereuse, un moment à très haut risque. Les co-infections chez les personnes vivant avec le VIH, telles que la tuberculose, le cancer du col de l'utérus, et l'hépatite B et C mettent en péril l'objectif de moins de 500 000 personnes décédées de maladies liées au sida d'ici 2020. Pour accélérer la riposte par rapport au VIH-Sida, ONU-Sida a mis en place l'objectif 90-90-90. En fait, il est question à travers cette campagne de faire accélérer la riposte par rapport au VIH-Sida, la riposte nationale, pour faire atteindre les objectifs de l'ONU-Sida, les 90-90-90, qui veut que 90% de la population puisse connaître son état sérologique. Et ça, c'est à travers le dépistage volontaire. Et dans les 90% qui seront dépistés comme positifs, qui puissent recevoir les traitements antirétroviraux. Ça veut dire les ARV, pour que dans leur sang, 90% de ces gens-là puissent avoir la suppression de leur charge virale. Ça veut dire qu'ils ne seront plus en mesure de faire de nouvelles infections liées au VIH. Et ainsi, contribuer au développement durable de la RDC. À l'occasion de cette journée, le programme national de lutte contre le sida a installé dans ses locaux des stands à l'intention du public. Un public venu nombreux pour s'informer, notamment sur les moyens de prévention et de lutte contre le VIH-Sida. À l'occasion de la Journée mondiale du sida, célébrée chaque année le 1er décembre, les agences du système des Nations Unies, les ONG de lutte contre le sida et bien d'autres partenaires de lutte contre la maladie se sont retrouvés à Rutshuru Centre. Objectif, manifester leur engagement dans la lutte contre le VIH-Sida et montrer leur soutien vis-à-vis des personnes vivant avec la maladie. Le thème national choisi est Accélérons la riposte pour mettre fin au VIH-Sida en RDC d'ici 2030. Au regard des données disponibles sur le taux de prévalence du VIH dans notre province et dans notre pays pour l'année 2013-2014, soit de 1,2% et de 2,2%, il y a lieu de noter que des progrès énormes ont été réalisés par notre pays. Et qu'hélas, du chemin reste encore à parcourir si nous tenons à réaliser nos vœux à l'horizon 2030. Grâce au soutien d'ONU-Sida, associé à celui de ses autres partenaires, des résultats encourageants ont été enregistrés depuis 2010 en RDC contre la maladie. La MONUSCO a été représentée par les chefs d'état-major de la composante police MONUSCO, Bit, Fridolin et Berle. Depuis 2010, le nombre d'enfants infectés par transmission mère-enfant a diminué de moitié.
les médicaments anti-VIH, leur étant destinés, sont désormais accessibles à plus que 75% d'entre eux. De moins en moins de personnes décèdent de causes liées au sida chaque année. Et les personnes contaminées vivent plus longtemps. Les progrès sont évidents, mais les acquis restent fragiles. Les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables, notamment en Afrique subsaharienne. La journée mondiale du sida est aussi l'occasion non seulement de sensibiliser, mais aussi de commémorer ceux qui sont décédés de la maladie. C'est par ailleurs l'occasion de célébrer les victoires telles que l'accès accru aux traitements et aux services de prévention. Le sida est loin d'être éradiqué, éliminé, mais il peut l'être. Des défis fondamentaux, politiques, financiers et des mises en œuvre subsistent. Mais nous ne devons pas nous arrêter maintenant. C'est le moment d'avancer ensemble afin de garantir aux enfants de naître sans le VIH, aux jeunes de grandir sans le VIH, aux adultes de vivre sans le VIH et de garantir à tous un meilleur accès au traitement en vue d'un monde sans sida. À noter que dans la foulée de la journée, une campagne de dons de sang et de dépistage du sida ont été effectuées à retour au centre. Papa et maman officiers, à la veille de la fin de votre mission en RDC, vous avez choisi d'être avec nous et cette marque de sympathie nous réconforte parce que nous ne nous sentons pas seuls ni abandonnés. Que vive la République du Ghana, que vive la République du Congo. Je vous remercie. Awa tobengisi mokonzi na biso aya kopesa biso mwa maloba bobetela mokonzi maboko. For us as nakanisi ke batu ebele bakanisaka ke musala o tosalaka ya kopesa kimia ezakaka kotambola na bamituka kotala mboka kotia sekirite na mboka na kofanda ebele bakanisaka tozalaka en contact jamais na la population. Yaka, oh, tokango na lutu. Oh, bien sûr. Les mandjacha et les matongo. Il y a toujours de lolo. Les babouches et les pointus. Et même si tu choses de t'approuver mon frère, aujourd'hui tu vas trouver ta pointure.